C'est le samedi 25 juillet 2020 que la SADC a résolu le conflit frontalier qui opposait la Zambie à la République démocratique du Congo depuis le 13 mars de cette année 2020. Selon les sources officielles, la Zambie a accepté de retirer dans 7 jours depuis le 25 juillet 2020 ses forces armées dans les sols congolais de Kalubamba, Libondo et Kibanga, dans le groupement Muliro situé à 350 km à l'est du territoire de Moba. C'est après le jugement de ce conflit frontalier rendu par la SADC en faveur de la RDC. En effet, le gouvernement congolais a commencé aussi à retirer progressivement, depuis le 25 juillet 2020 à Moba, les militaires de FRDC venus pour la mission d'aller récupérer ce village qui était occupé par ces forces zambiennes. Car selon les autorités de l'État congolais, la solution sur ce conflit frontalier qui opposait la Zambie à la RDC a été trouvée dans la paix. À cette même occasion, les messages ont été lancés appelant les déplacés de Muliro, partout où ils se trouveraient, de regagner leur milieu à Muliro. Plusieurs couches de la société civile de Moba ont dit qu'elles sont satisfaites du jugement rendu par la SADC. Selon elles, la SADC a été juste dans ce conflit frontalier qui opposait la Zambie à la RDC. Mais d'autre part, ces couches de la société civile appellent le gouvernement congolais d'accompagner ces déplacés dans leur milieu de retour, car ils ont perdu leurs biens au cours de ce conflit frontalier entre la Zambie et la RDC. De Moba, Isidore Kachulu, RTNC.